Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour à part de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez. Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Ensemble GF. It's a lie! It's a lie! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom, Ensemble GF, accompagné, bien évidemment, Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. South Proclaimed Legend, l'homme aux mollets d'acier, The Mollet Man, The Molletator. Il y a quelqu'un qui hey, a ça. Bon <laughs> boy. <laughs> Et comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire, tous les gros. On de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésiques, mesdames, messieurs. Numéro 159, tu t'étais trompé la semaine passée. Non, 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 Marc, tu te trompes régulièrement <laughs> parce que tu t'en rappelles pas. Et Marc, qu'est-ce qui explique cette belle petite voix rauque que tu as ce matin? Ah, une, so une dure, Non, une soirée privilégiée, mais... Euh... Fatigué un peu. Avec avec, Parle-nous de ta soirée privilégiée. Euh, arrête de nous. Ben, je suis allé. Euh, J'ai reçu en cadeau des billets de, de hockey. Fait que je suis allé. Euh, euh, mon ami, euh, pour être franc, c'est mon ami Jean-François Primo qui a gagné les billets de notre tirage, euh, qui s'est fait opérer dans le genou. Okay. semble-t-il que ça fait mal. Et ah comme oui. c'est un ami et comme il a gagné les billets euh, par, euh, en achetant euh, plusieurs euh, participations, Participation. ben, il nous a, il a donné à Jazz et à moi les billets pour aller euh, au match. Jazz, ton épouse. Oui, on a passé une super belle soirée. On est allé au salon euh, Desjardins euh, avec euh, bière et vin à volonté. Euh, on a vu une victoire du Canadien. Euh, J'ai rencontré euh, au euh, Starbucks avant le match Daniel Brière. Waouh, t'as été lui parler? Je, ben oui, je dis, monsieur Brière, mes hommages. Il m'a dit bonjour. Fait qu'il n'y avait aucune cristidité, je ça, Tu ça, vois bien. Mais sérieux, lui. sérieux, hier, ce qui arrive de plus en plus rarement dans ma vie, on attendant en ligne pour entrer dans le centre Bell. il y a un gars qui dit tu tu le gars de la lutte, le blondin? Fait que je dis oui. Fait je fais comme. Toujours, c'est le fun de se faire reconnaître quand tu as fait ça toute ta vie, mais ben oui, comme, clair. comme je vieillis, ça arrive de moins en moins et je suis pas à télé. OK? Fait que. Et il y a quelqu'un d'autre, c'était qui le deuxième? En tout cas, je m'en souviens plus comme de ben, raison. Oui, mais il euh, y a eu deux personnes euh, qui, euh, qui m'ont interpellé et qui m'ont. Ah, le gars au bout de la rangée! Il y avait un gars, hey, écoute ben ça. Oui, le le, Dans, le ma... fameux gars au bout de la rangée. Ben man, oui. Salut, il à <laughs> Section 102, et bien, super bon billet. Le gars me dit, « Hey, t'es le gars de la lutte, toi. » Là, il me dit, « Tu sais, et je pars pour aller euh, retourner au salon. » Il me dit, « Tu sais-tu c'était quoi le vrai nom de Shen Lee? « Shenli, c'est un gars des 8 heures des années 70. Le nom oui, de bon, quelque oui. chose. » Là, il me dit son vrai nom, tu sais, style Richard Fortier, tu sais. Je la regarde, « OK. Sur, » Sur 10, tu t'en sacrais, mettons, à 12. Euh, ouais. Pas vraiment, à 34. OK, parfait, parfait. Belle honnêteté. Fait, euh, fait que ça, non, c'était une belle soirée. Euh, écoute, est très occupé. Euh, le, 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 le monde de Monsieur Fun ça bouge là, pour le printemps le téléphone n'arrête pas de sonner ça c'est le fun, ben, janvier, février, mars c'était euh, tranquille euh, je me suis acheté un cadeau Monsieur Fuji Monsieur Fuji que j'avais pas ma collection fait que je me suis acheté ça euh, qu'est-ce qui se passe à part ça euh... là, quand tu parles de belles soirées il y a deux belles soirées qui s'en viennent pour Simmania t'en as une Ex le semaine prochain 7... t'en as une le 17 mai aussi là nous en avons oui, un peu le oui. 17 mai, surtout. Moi, le 5 mai, je ne vais pas en entendre parler, mais le 17 mai au casino à Wallinac. Je vais te donner d'abord le. le C'est euh, le. 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 le, 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 le. <laughs> La bouche molle de Marc Blondin, mesdames, messieurs. Grand Royal Grand Les billets devraient être en vente ce vendredi. Euh, pour l'événement du 17 mai ce vendredi euh, pour, <coughs> pour lancer le week-end de, de WrestleMania. Alors, vous allez sur le logo de Simmania 5 sur le site du euh, Grand Royal Wallinac.com et vous pouvez acheter vos billets. 25 dollars, euh, admission générale euh, ou encore des tables VIP avec plein, plein, plein d'affaires. On aura vraiment plus de détails la semaine prochaine, mais euh, j'ai bien hâte. La carte est complète. Euh, tous les lutteurs sont confirmés. Euh, euh, écoute, ça, ça va être un bel événement. Oui, un événement incroyable. Je m'en vais là. Euh, là, on est... Euh, le, le podcast est disponible mardi. Euh, logiquement, soit aujourd'hui ou demain, mardi ou mercredi, je m'en vais tourner plusieurs vignettes là-bas. Par hasard, t'es pas dans, dans le coin de la Mauricie, toi, la semaine prochaine? Oui, justement. C'est mon territoire de vente. Donc, mardi ou mercredi prochain... Ça serait drôle. Être, je pourrais être en Mauricie, Marc. Oh, que ça pourrait être drôle de, de, avec ton petit veston pour arrêter... Euh, à faire quelques promos là-bas, là. ça pourrait être bon. Je regarde mon horaire. Mardi le 2, ça pourrait être possible de le faire. Bon, C'est probablement mardi le 2, aujourd'hui. <laughs> on, oui, hey. on est peut-être là. On wow, est peut-être là. Waouh, Twilight Zone. C'est ça, le multiverse. Enfin, on le comprend. Waouh, ici. Ici. Quel segment extraordinaire qu'on avait le multiverse. Et puis, pour ce qui est de Sipmania 4, qui s'en vient encore plus vite, le. Ah, dimanche. Ben, tu es là, tu travailles, Seigneur. Tu devrais pas ah, avoir cette face-là. Ah, j'ai paye. Ouais, c'est le 5 mai et euh, il reste, euh, je te dirais, 30 billets à vendre. 30 billets VIP. Fait que euh, mon but est d'ici après le week-end de, de, qui s'en vient là, de WrestleMania, Date Sold Out. Fait que c'est uniquement des places VIP. Uniquement ouais. des tables. Et euh, tu vois, là, le monde a commencé à m'acheter des billets pour être à une table. Fait que Ça va être euh, des fans de lutte qui vont être autour d'une table. Et puis, euh, euh, la table est mise de Tableless Putton wow, pour man. Simmania 4, Simmania 5. Et c'est long à avancer dans Simmania 6 avec ben oui, les gens de la municipalité là, de Sainte-Madeleine. Saint et boy! Ça opère pas trop, trop. Ma gamme. Non, mais il n'y a pas d'hôpital là-bas, Marc. Ça ne peut pas opérer. Mais Marc, oh. trêve de plaisanterie, on a une émission très, 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 très chargée cette semaine. Et non, coup de théâtre, on ne parlera pas du scandale des stéroïdes parce que, en fin de semaine prochaine, <laughs> c'est WrestleMania 40 qui s'en vient et on va parler de WrestleMania. Oui, exactement. C'est toujours à chaque année. C'est Super Bowl. C'est le septième match euh, de la finale de la Coupe Stanley. C'est. Euh, je ne sais pas comment ils appellent ça au soccer. Là. Euh, la Coupe, coupe du, du Monde. monde. Bah, je, quand, quand même, ben, je n'ai rien. Moi, le soccer, pour moi, c'est rien. Mais euh, c'est l'événement euh, le, le, oui. le, le, le week-end de fête, des fans de lutte. Puis. Euh, euh, c'est devenu, je, écoute, j'en ai parlé avec plusieurs personnes dans dernière semaine, c'est devenu pénible d'organiser de, de, de quoi? Euh, tu sais, sur deux jours. Oui. Euh, gens soit choisi. c'est ça qui est spécial. C'est ça, exemple, j'en parlais avec Jas. Ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, mais en ce moment, d'après moi, elle est couchée. <laughs> je te dirais, moi, habituellement, elle est couchée, imagine jeune toi là. Elle est doublement ouais. couchée. Oui, c'est ça. <laughs> mais. Euh, tu sais, to, toi, ça doit être pire, là, parce que tu as trois enfants, ton épouse, tu sais, euh, de, 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 de bloquer, de, de, mettons, de 18 heures à minuit, peut-être, ouais, deux minuit, soirs. Je euh, sais pas. Que je sais pas plus, plus, je vais écouter. Et en plus, en t'as tu pas le goût d'écouter tout. Il y a des enfants que tu n'aimeras pas, là. Ouais. Il y a des choses que tu veux voir, des combats que tu veux voir. Mais... C'est déjà un WrestleMania, c'est long. Oui, tu sais, on exact. les a faites, nous autres. Là, c'est sur exact. deux soirs, que, tu sais, C'est quelque chose. On dirait que des fois, il y a la sauce pour rien, mais ça, c'est mon humble opinion. J'en fois... parlais avec, euh, avec Steph, Steph Mag, où, on, où moi, je vais aller fêter. Ben là. oui. Euh... Et puis lui, du scont, tu, tu, tu peux les plugger comme faux, là. Ouais, Pneu et Mag Côte-Saint-Louis. Oh. Ben oui, voilà, Donc, euh... on les salue. Et il les amis me dit « je ne comprends pas pourquoi ils font ça. T'sais. Moi, je ne ferai pas ça. T'sais. Je dis, ouais, mais je dis, les autres le font, mais ça doit être payant, parce que sinon, ils ne le feraient pas. C'est son les, les deux soirs, des pay-per-views les deux soirs. Mais là, cette semaine, on parle de WrestleMania. On ne parle, on parle pas nécessairement de la carte en particulier, mais on parle. Tu as une brochette d'invités assez intéressant qui vont nous parler de leur WrestleMania, comment ils vont vivre ça. Oui, parce que j'ai lancé l'invitation sur le groupe Facebook. Euh, Alex Morin. Oui, l'orgueil de Bécomo, un Exactement. ami très, 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 très proche d'un de mes collègues de travail chez mon sud, Max Adolphe. Pour le vrai. Que, non, ben oui, je l'ai déjà dit sur le podcast, Marc, ah, mais je ne t'en rappelle pas. Ben, oui, évidemment. <laughs> mais Max Adolphe, qui est un nouvel auditeur du podcast, donc on le salue il est sûrement à l'écoute. Fait que justement, Alex qui nous dit un peu comment il. C'est drôle parce que dans l'entrevue que j'ai déjà réalisée, euh, il, il, lorsque je parle de mon épouse, ben, il fait ton, ton on la salue, baba. Wow, fait il, bon, ça. Il, il, il répond au moins deux, trois fois à des choses euh, okay. euh, que j'ouvre la porte puis il embarquait. Euh, on a également, ça j'ai hâte l'entrevue euh, de la réaliser, Madison Schmidt. Oui. Euh, ça fait drôle comme nom, parce que c'est une Française. Et une Française de la France, en plus. Euh... Oui, c'est un contact de David Jouan. Oui, et, et ce qu'il me disait, David, c'est que David. la personne... Euh, le Casanova des pauvres! Non, Marc, un jour, tu vas comprendre la rime. David Jouan, Don Jouan. Le Don Jouan des pauvres! Euh, les deux viennent de la même ville. Mais ils ne se connaissent pas. Fait wow, que, ben, gros, euh, grosse ville, petite ville, moyenne ville? Ben, écoute, il me l'a dit. Je me semble que c'est l'allée ou l'allier. Tu t'en rappelles pas. Personne n'a ben, euh, déjà entendu parler de ça, à part ceux qui non, sont. Non, mais il te l'a dit, mais tu t'en ah oui, rappelles pas. Je te dis déjà, je suis proche, je te le dis. Exactement, j'ai dit l'allée ou hein? Bon, ouais. euh, patiente, là. Ben, je suis tanné de me faire traiter de gars qui se souvient de rien. Là, ça, c'est de la très, très bonne radio, j'allais dire. Mais ça, là, à un moment qu'on vit en ce moment, je fais du temps. Parlez vite, parce que Marc, il cherche avec ses gros doigts dans son téléphone. Allez voir ça sur YouTube euh, sur YouTube, oui. Qui okay. parle beaucoup, notre ami David. David. Je connais une Française qui y va. OK. Ça, c'est lui, lui qui dit ça. Elle, elle en a déjà fait plusieurs. Bon, OK. Enfin, on la salue. Maddie, hours later. Maddie, elle s'appelle Maddie. donc Madison, on est proche. Peux-tu me donner un peu de détails? Elle est de l'Allier. Eh bien, hein? Je wow, tu ah, l'as dit, mais tu n'étais pas j'tennais, sûr. Je suis tanné de passer pour un... Am... Quoi, je suis tanné? C'est ça J'suis... qui arrive. Je ne me souviens plus. Et euh, on aura Pierre Blais par la suite. Pierre Blais, là, mon animateur radio favori. Une vedette internationale de la ville de Québec. C'est le fun de l'avoir sur le podcast, Pierre Blais. Tellement gentil. Tellement gentil, Pierre. Ouais, ouais. Un des bons, vraiment un bon Jack. Là, un gars que j'adore. Joueur de baseball, en plus, que j'affronte dans les tournois seniors à travers la province, donc... Tout un, tout un homme, ce Pierre Blais. Et on va terminer le podcast de cette semaine avec Speedball, Mike oh. Bailey, qui nous parle de son week-end à lui, des week-ends complètement fous d'un ah, lutteur euh, lors de ces deux jours de ce qu'on appelle le Wrestlemania Week-end. Il nous en a parlé lors d'un spectacle de TNA Impact, euh, combien de matchs il avait fait dans la fin de semaine, puis il avait fait un podcast toute la nuit, une affaire de même. Je pense qu'il avait lutté 10-12 fois. Là. Ça n'avait aucun sens. Mais... On l'a eu l'année passée. Tu t'en souviens sais, pas? Je ne m'en souviens pas exactement du hey, nombre de matchs, Marc. Je pense qu'il avait fait 9 l'année passée. J'ai dit 10-12. Je n'étais pas loin, Marc. Ben, quand même. C'est 30 de trop. Wow, le gars s'est compté. Hey, Marc! Oh, la cloche. Ben <laughs> oui, on va fermer ça. Hey, dans, le proche... dans le premier bloc, on va y aller tout de suite avec les deux membres du groupe soyez y mesdames, messieurs. Mais je souhaite que Madison Schmidt fasse partie du groupe. Si on l'a en entrevue. Alors, tout d'abord, on va commencer avec notre ami de Bécomo, Alex Morin, suivi de Madison Schmidt. Mesdames, Messieurs, sur le Soyez-y, Mesdames, Messieurs, on retrouve encore une fois le sympathique Alex Morin, la fierté de Bécomo. Comment vas-tu? Hey, salut, Marc, ça va super bien. Euh... Une, une petite semaine de quatre jours, nous autres, là, euh, à Polyvalente, donc euh, toujours euh, apprécié. Écoute, j'ai regardé ce matin où on fait l'entrevue, on annonce euh, 10-12 degrés à Montréal euh, dans la civilisation. Alors que chez vous, on annonce 157 cm de neige et moins 84 Celsius à part le facteur vent. Oui, mais ben, ça fait 15 jours que je dors euh, au travail, je ne pas de sortir. <laughs> on fait des farces, mais Alex, ça a de de quoi la météo chez vous? Non, euh, en ce moment, il doit faire à peu près 4-5 degrés. Il faisait beau là, je, ce matin. Là, moi, j'étais allé porter les garçons à l'école, puis euh, ça jouait dehors en masse. Tu sais, quand tu dis que tu as quelqu'un qui participe à un podcast et qui veut se, euh, être différent des autres, ben, les premières fois, on le voyait de face. Là, on le voit de profil. J'ai bien hâte de voir la prochaine fois. On accueille Alex pour nous parler du week-end de WrestleMania qui s'en vient dans quelques jours euh, sur cet épisode. Ça m'intrigue toujours parce que moi, je suis un gars d'événements. Hein? Tu sais, on m'appelle uh, Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend, L'homme au mollet d'acier de Mollet Man, et comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire, tous les gros sont forts des mollets. C'est pas C'est pas pire. <laughs> euh, et euh, je suis en train de. Je devrais des nouvelles aujourd'hui de mon côté. Soit que j'anime au Casino Olinac où je vais produire Simmania ouais. euh, 5, ou soit. Qu'avec mon ami Stéphane Sninitski, euh, qu'on organise un événement dans son garage ou dans une de ses 17 maisons à Blainville. Euh, okay. Fait que c'est toujours de la bonne bouffe tout, mais je me disais, ils ont tout ça à Bicomo, de la bonne bouffe, ils ont tout ça à Bicomo. Premièrement, à Bécomo, est-ce que vous le captez, WrestleMania? Écoute, on réussit. Nous autres, on se patente toujours des, des grosses antennes. Il y en a un qui grève avec des échafauds. On essaie de pogner ça euh, comme on peut. Euh, Est-ce que c'est euh, vrai qu'à Bécomo, la laine d'acier est encore populaire sur les antennes de télé? <laughs> Écoute, là, pour de vrai, à Bekomo, des événements de lutte, il n'y en a pas, malheureusement. Je ne pense pas que la fanbase de lutte est assez grosse pour organiser, exemple, un événement comme le Super Bowl. Tu sais, okay, Cette année, okay. là, on avait organisé au club de golf à Becomo une soirée Super Bowl. Là. On avait vendu tous les billets, c'était full, mais au niveau de la lutte, c'est plus difficile un peu. Donc, ce que tu euh, me <laughs> dis, c'est Marc, amène pas le <laughs> Simmania Becomo cette année. Bien! Je ne sais pas si tu as vu passer sur ta page dernièrement, il y ben avait oui. un, un gars de, de, de Pessamit, la communauté autochtone, là, proche de chez nous, qui disait qu'il y avait une belle grande salle pour recevoir des galas de lutte. Je... De ce que lui a mentionné, il y avait beaucoup d'amis qui trippaient sa lutte. Moi, de mon côté, là, euh, quand on écoute des gros événements, quand on écoute le Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania, ouais. on n'est jamais 20 plus que 6-7. OK. Mais quand même, puis là, ces 6-7-là, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as mentionné, Alex, que tu euh, initiais des, des nouveaux futurs euh, oui. fans à la lutte. Bien, écoute, premièrement, là, ma blonde, quand j'ai commencé à sortir avec elle, là, ça fait deux ans, euh, la lutte, ça ne disait rien. Écoute, ben, à la patiente. lutte, c'est Les fans de lutte, on se fait quasiment traiter de nono quand on dit qu'on aime la lutte. là. Euh, puis là, finalement, à un moment donné, j'ai dit, prends le temps, on va prendre une bière, on va écouter ça. Puis, tu elle trouvait ça super spectaculaire. Elle veut pas des gars de 250 livres qui font des, des pirouettes comme PCO. C'est assez impressionnant. Fait qu elle a quand même euh, à triper. Puis euh, là, ça fait deux, trois fois qu'on regarde des gars ensemble. Puis elle aime bien ça. Et, et est-ce oui. que votre groupe là, qui s'en vient pour le week-end prochain, euh, c'est qui? Dans le fond, là, il, y a, il va avoir moi. Il va avoir ma blonde. Il y a euh, mon ami Vincent, un autre de mes amis Maxime. Eux, c'est des, des, des fans de lutte. Vincent, un peu moins. Maxime, c'est un, euh, un, un gros fan, là, autant que moi. Euh, puis, euh, on va ajouter probablement nos, nos, nos conjointes avec ça. Puis, euh, moi, mes deux enfants euh, ont commencé à regarder un peu de clips sur YouTube. Là, puis, euh, euh, là, là, ils commencent à triper lutte vraiment. Quel âge ont tes enfants? Ils sont jeunes, 4 et 6 ans. OK. Ben, C'est euh, un bon temps de les initier et de leur expliquer. C'est un spectacle important. Exact. C'est toujours ça que je fais parce que sinon, ils ont tendance après ça à vouloir se faire des prises dans le salon. <laughs> C'est ça. C'est là <laughs> que ça <laughs> peut être dangereux. Là, exact. maintenant, le, la, premièrement, est-ce que vous faites ça le samedi ou le dimanche ou les deux? Euh, je pense que ça va être le dimanche seulement pour cette année parce que moi, j'ai quelque chose le samedi soir. Donc, moi, je vais enregistrer. Euh, le, 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 le soir, un, je vais l'écouter, genre dimanche matin, puis on va se réunir le dimanche soir. Je pense que c'est pas mal ce que plusieurs fans de lutte qui. Mettons, moi, ça passe pas chez nous, là, de dire euh, samedi et dimanche, là, de 6 h à minuit, oublie-moi deux soirs en ligne. Ma femme, euh, Jess... Est-ce qu'on m'en On la salue. On la salue. <rire> <rire> euh, écoute, euh, fait que probablement, je vais faire ça. Un, il y a le match euh, canadien-Toronto qui est toujours le fun. Alors, je vais possiblement oui. l'enregistrer pour l'écouter le, le matin, moi aussi, pour être prête pour la soirée. Fait que Là-dessus, on est correct. Maintenant, quand as un événement, euh, Royal Rumble, SummerSlam euh, et euh, WrestleMania, il y a de la bouffe et il y a de la boisson, ouais. euh, oh, des breuvages. Okay, oui. Fait que c'est quoi? Exactement. Tu vas parler de microbrasserie. Ben nous là, à baie on a une très bonne microbrasserie qui s'appelle la microbrasserie Saint-Père-Crasse. Saint quoi? Profite. C la crasse Ah, je pensais que c'était de la crasse. Oh, c <laughs> de la Saint-Père-Crasse. Saint Saint là. là, tu fais dans la langue sale. Euh, <laughs> puis, en fait, là, je vais vanter un peu la microbrasserie puisque, là, voilà deux ans, il euh, y a une bière qui s'appelle la MacPay qui a gagné... Euh, le concours des microbrasseries, euh, La poche bleue, du okay. podcast de, Mar de, de Guillaume Latadresse et Maxime Lapierre. Puis, ils ont vraiment une grosse variété là, de, de bières. Ils ont deux IPA. Ils ont, euh, ont, ont une start au chocolat. Euh, ensuite de ça, ils ont euh, des bières un peu plus euh, standard. Ils ont des lagers. Puis un de leurs gros vendeurs, c'est une bière rousse qui se trouve à être la Walker, en honneur du lac Walker dans le coin de Port-Cartier, qui est. Apparemment, le lac le plus profond au Québec. Bref, euh, on a une bonne variété de bières qu'on prend. Puis aussi, des fois, on va ajouter, il euh, y a la microbrasserie de Tadoussac, qui n'est pas loin, euh, qui ont les. Comment ça, qui est ça pas loin? Par... Tadoussac, c'est loin en temps? C'est à deux heures de Bégamont. Ah, ouais? Ouais, parce qu'il faut passer par la Québec. Ah! T'es à combien de temps de Saint-Siméon? Euh, 2h40 à peu près. Ah, je m'en vais animer là, Ouais, ah, c'est à peu près ouais. 2h40. Je dis dit, je m'en vais animer là, il répond pas. Il dit, je m'en fous, tu t'as <laughs> animé là. Côté oh, bouffe, okay, Alex. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu vas animer là? Une école. Je ah vais ben pas, Oui. Ouais, J'étais surpris. Tu sais, euh, moi je suis à Blainville. Qu On qu'on fait plein ouais. d'écoles euh, quand je parle de ça, je parle de le monde de M. Fon avec mes, mes ouais. fils. Et euh, quand on va à saint hyacinthe puis ça, je trouve ça hyper loin. Là, on a eu une demande pour Saint-Siméon. C'est quoi Saint-Siméon? Tu es vraiment rendu international. Hey, mais Saint-Siméon, <laughs> international. Côté bouffe, mon cher Alex. Alors, on y va un peu, nous autres, là, à, à la manière d'un Super Bowl, les ailes de poulet, la pizza. Euh, très raffiné. Chips. Ah oui, très du, du gros euh, américain. Euh, pour se donner euh, soif pour boire de la bière en masse. C'est une soirée qui revient annuellement. Euh, faites-vous ouais. des faites-vous quelque chose. Moi, je fais plus euh, ça au Rumble, là, mais. On te dit. Au... Je, je te dis ça, je fais ça au Rumble. Mais lors du dernier Rumble, Vincent Lapointe était là. Tu connais-tu Vincent? Celui qui a non. plein de ceintures, là, il passe souvent sur le podcast. C'est un ah, gars qui oui, a okay, okay, okay. ouais, C'est ça, chose. Est ça fait il, est, il est super fin. Quand j'ai dit on fait des gageurs à 20$, il exagère pas. OK, à, à 10$, <laughs> exagère pas, à 5$. Finalement, il voulait faire des gageures à 30 sous. Hey, laisse faire. Ah, voilà. ça vaut pas venir. Hey, laisse faire. <laughs> fait que vous autres. Euh, on, fait, <coughs> pardon, on fait des gageurs, oui, des fois, malgré que là... Euh, avec Internet, c'est tellement difficile à cette heure de garder la magie de, de, de la lutte. T'sais. Dans un Rumble, c'est plus facile, des fois, de gager sur les, euh, les entrées. Oui, oui. Mais t'sais, tu, pourrais, sur... tu pourrais gager est-ce que Cody va réaliser, va finir son histoire dimanche t'sais? Tu pourrais dire l'année passée, il y en a une gang qui aurait perdu de l'argent. Oui, oh, <laughs> ouais, je suis d'accord. Puis moi, ma prédiction, Max, c'est qu'il va perdre avec Seth roll le samedi. Oui, moi aussi je pense Et ça. Il va, il va gagner le dimanche, malgré que ça va être un bloodline rules match. Moi aussi, je pense. Ça. Je ne serais pas étonné que Goldust aurait une permission spéciale de la All Elite pour venir aider son frère. Oh! Gardez ça en note, très intéressant. Alex Morin, merci beaucoup. Live, ben, live, façon de parler de son bureau à La Polyvalente. Oui, il y a des écoles à Bécomo. Eh oui, puis je suis même pas venu aujourd'hui à en entraîner un chien. Wow! Alex, <laughs> c'est un plaisir. Euh, tu, ouais, vois les, tu vois les sujets, et puis je fais ma langue sale, puis je fais mon, mon, mon baveu, là, mais c'est une, euh, une région que j'aimerais beaucoup découvrir. Fait que ben si oui, le, ben le, le, le maire ou la mairesse de Bekomo ça puis dit qu bitch, là, euh, que c'est un personnage que j'ai. Ah, je, je, moi j'embarque là-dedans, je sais très bien qu'on a bien du fun à, à se tirer à la pipe, comme on dit. Au plaisir, Alex, et bon WrestleMania. Eh, merci Marc Boisie. et que j'ai des questions à poser à ma prochaine invitée. Euh, premièrement, lorsque je dis à tout le monde, je reçois euh, euh, Madison euh, Schmidt, une Française. Là, il y a plein de, plein de points d'interrogation. Premièrement, bonjour et merci d'accepter euh, l'invitation du Soyez-y, mesdames, messieurs. Eh bien, merci à toi de me recevoir, du coup. <laughs> alors, dis-nous, le, 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 est-ce que tu as des descendants euh, britanniques, euh, germaniques, c'est quoi là? Madison Schmidt. <laughs> Un nom lutteuse. Euh, c'est pas américain, pas du tout, pas britannique. C'est juste ma maman qui, aime beau, qui a beaucoup aimé ce prénom. Donc, du coup, elle m'a <laughs> donné Madison comme prénom, du coup. Et le nom, Schmidt C'est de mon papa qui est euh, donc, euh, qui sont en, du côté allemand, du coup. C'est ça, j'ai pensé. Voilà. Moi, tu n'as pas <laughs> connu ça, là, mais dans les années 60, 70, il y avait un catcheur ici qui s'appelait Anne Schmidt et euh, c'est un ah. vilain et je l'aimais beaucoup, mais c'est un Québécois, de, un vrai Québécois qui s'était donné ce nom-là avec un look euh, d'allemand, mais euh, c'est ça. Voilà pour l'histoire, ma chère. Tu me permets de t'appeler Maddy Oui, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas connu, effectivement. Je pense ah. que c'est trop, trop loin, euh, trop loin en arrière. <laughs> ah, écoute, deuxième interrogation, pardon, euh, David Jouin, qu'on appelle ici oui. le Don Jouin des pauvres. Euh, il me dit que vous venez tous les deux de l'Allier. Oui, effectivement, on est tous les deux du même, euh, du même coin, donc euh, ça peut être c'est enfin, c'est assez marrant du coup. Mais, mais vous ne euh, vous oui, connaissez mais... pas. Alors je le connais euh, via les réseaux. Je l'ai oui. jamais rencontré pour l'instant et pourtant euh, il passe souvent dans ma ville. Hein. Il est, enfin souvent oui et non, mais euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir, du coup. Ah, je vais en profiter pour de te demander un petit cours de géographie. L'Allier, euh, <laughs> qu'est-ce qu qui est la, la plus grande ville? Premièrement, est-ce que l'Allier, c'est une ville ou un village? Euh, non, l'Allier, c'est un... Je suis très nulle en géographie. <laughs> euh, L'Allier, c'est un, un département. département Un département, OK. Ouais, c'est si un on département connaît pas et, ce mot -là, et après, okay. les... ouais, c'est un... Euh... C'est compliqué à expliquer. Je ne saurais même pas comment te dire ça. <laughs> parce que je suis vraiment très nulle en géographie. Hein. Je ne suis euh, pas du tout... Euh. Mais, Mais... Ouais, c'est un département et il y a plusieurs euh, villes. Euh, Quelle est la le, plus grosse ville endroit. autour de l'Allier? Bonne question. Parce que tu as Lyon. Euh, tu as Lyon. As, euh, ah, ben Lyon. Que... Lyon, c'est bah, bon, Lyon, c'est connu. Bon. Ben oui, bien oui. Lyon, non, non, merci. Mais... <laughs> Une jeune dame comme toi qui a des problèmes géographiques et qui va s'en oh. aller à Philadelphie, t'as pas peur de te perdre? Ah non, après j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait des WrestleMania, du coup, et je voyage beaucoup. Donc, enfin, euh, je sais assez me repérer. Euh, je me repère vite, on va dire. Donc, on, euh, va parler, va. on va parler de catch. Euh, si tu as déjà fait d'autres WrestleMania, tu dois être une fan. Euh, oui bah, là, alors j'ai en ce moment avec le travail c'est un peu compliqué de suivre donc je suis vraiment que les résultats mais à l'époque je regarde depuis euh, à peu près 2008 2009 donc euh, ça fait maintenant un bout de temps on vieillit quoi mais euh, oui j'ai déjà fait euh, Wrestlemania 34 euh, qui était à Nouvelle-Orléans ouais. et Wrestlemania 35 qui était à New York donc euh, okay. là je retourne à Wrestlemania 30, 30... 40 40, 40, 40 qui est à Philadelphie ouais. Moi, celui que j'ai fait, à... le seul que j'ai fait, ben, que je ne travaillais pas, je pense, c'était 31. C'était à Los Angeles. Non, c'était euh... Non, pas Los Angeles, je ne sais plus, c'était... où. Le... Je sais que le 30, c'était euh, aussi la Nouvelle-Orléans. Oui. Mais euh, je ne saurais pas te dire parce que moi, dans le monde, on... Ben, ah. San Francisco, <laughs> San Francisco, peut-être, là. Peut là. Euh, euh, oui, San... parce que c'était pas... Je crois que ouais. c'était pas Los Angeles. C'est San Francisco puis, euh... parce qu'on demeurait à Oakland, qui est juste à côté. Euh... C'est possible. Oui, 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 c'est ça, je suis certain. Euh, Dis-moi, euh, comment est-ce qu'on prépare? Parce que ici, je connais beaucoup d'amis qui, eux, euh, tu sais, Philadelphie, on prend la voiture, on y va, de Montréal. Oui, ben oui, forcément. C'est pas loin? Euh, ben, pas loin. Peut-être euh, peut un 7 heures. Euh, avec quelques arrêts à 8 heures, mais c'est quand même, ça se fait bien, surtout quand tu parles de catch entre amis. Mais comment on organise, euh, premièrement, est-ce que tu, euh, tu y vas avec d'autres amis? Alors, euh, j'y vais souvent avec euh, un, un ami, un ou une amie. Ensuite, on, enfin, il y a d'autres groupes de fans sur place. Donc, généralement, on essaye tous de boire un verre entre, entre nous, tout ça. Puis après, c'est bien parce que aussi... Enfin, si vous avez un peu de notion en anglais, vous pouvez enfin, vous rencontrer d'autres fans britanniques qui viennent du monde entier, donc c'est super sympa. Et après, c'est tout, vrai que c'est toute une organisation et c'est euh, assez stressant par moment, du coup. Même si vous en avez fait plusieurs, je trouve que c'est toujours un peu stressant euh, au moment des achats. Quoi. Les achats, parlons-en, tu fais ça combien de mois d'avance Alors euh, généralement, euh, moi ce que je prends en premier, c'est l'avion euh, et l'hôtel donc généralement j'achète vers euh, bah, dès que c'est disponible on va dire vers juin juillet voire août après ça dépend vraiment en fait des, des périodes et puis de en fonction quoi mais euh, j'essaye toujours généralement je m'arrange à acheter l'hôtel et l'avion avant les places du coup ah oui ah, oui c'est vraiment toute une organisation quoi après sûr, je, sais sûr. je sais que tout le monde je sais que tout le monde s'organise différemment mais euh, voilà quoi du coup c'est et, 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 le, et le fait que tu aies, aies choisi, ben, tu as décidé de, de, de retourner à un autre, de la façon que tu parlais tantôt, c'était ton trois ou quatrième, j'ai cru comprendre. Euh, c'est le troisième, oui. Bon. Et celui-là, est-ce que tu as un intérêt particulier? Est-ce que c'est de euh, Rock? Euh, euh, c'est quoi qui... Est-ce que quelque chose t'attire ou c'est l'événement en <laughs> tant que tel? Alors, alors... Les... Premièrement, déjà c'est l'événement parce que c'est vrai qu'on a une, enfin vous avez une ambiance qui est complètement différente de d'un live event ou d'un raw, d'un smackdown. C'est vraiment là, il y a vraiment des fans du monde entier. Il y a des expériences à côté le WWE World. À l'époque, ça s'appelait l'Access, il me semble. Oui. Oui. Mais c'est Je... vrai qu'il y a plein, il y a énormément de trucs. Vous avez la WrestleCon. Vous pouvez rencontrer des légendes, des des des, pers... enfin, des, des catcheurs indie même. Mais c'est vrai que j'y vais beaucoup pour l'ambiance, le fait de rencontrer d'autres fans. Et euh, aussi, mon objectif, à chaque fois que je vais à Mania, c'est de pouvoir rencontrer Shawn Michaels, parce que je suis une fan de Shawn Michaels. Et à ah. chaque fois, je le loupe, parce qu'il est beaucoup surbooké avec, euh, bah, du coup, NXT. Mais bon, à chaque fois, je croise les doigts. Donc, je ne pense pas que ce sera pour cette année encore, mais bon. Sois positive, Madi, sois positive. <laughs> Maddie, sois positive. <laughs> toujours, toujours. Tu bon. vois, ton ton expérience Wrestlemania commence bien tu discutes avec une légende je suis self proclaimed legend c'est pas ça hein, hein? <laughs> tu savais pas que j'étais une légende hein et eh ben non parce que du coup c'est David moi qui m'a contacté et euh, bah, après enfin moi si vous êtes enfin, tu es une personne euh, comme, comme moi quoi enfin, enfin voilà quoi. Mais, mais voilà quoi c'est Objectif, euh, rencontrer John Michaels. <laughs> C'est bon. Dis-moi, euh, sans être euh, trop personnel, euh, un budget, quelqu'un qui part de la France, un budget pour un WrestleMania. Euh, parce que <laughs> tu sais, nous, on, exemple pour Philadelphie, comme je te disais, bon ben, peut-être un 100$ d'essence, euh, les, les hôtels, peut-être autour de quoi? 100 US. Euh, toi? Est-ce que tu t'es fait une enveloppe, dire bon, ben, j'ai tant d'euros pour ce voyage-là, ça va être ça? Ou si la carte de crédit est illimitée? Alors, la carte de crédit n'est jamais illimitée, mais en vrai, en fait, c'est pareil, ça dépend comment vous vous organisez, si vous partez avec des valises, si vous partez sans valises. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui. Je suis, je suis un gros rat. Alors, c'est une expression en France, mais en gros, je, je cherche tout ce qui est économique. Okay. Et en fait, c'est ce qui permet de. Enfin, ça permet de faire beaucoup. Euh, beaucoup. Là, par exemple, euh, au lieu de prendre un vol de Paris à Philadelphie, là, j'ai pris mon vol de Paris à New York. Euh, j'ai payé l'aller-retour de euh, 173 euros. Waouh! Et euh, du coup, après, je prends. Euh, comment? C'est donné? Ouais. Ouais, c'est donné mais après je pars par contre je pars vraiment qu'avec un sac à dos je crois. Je vais à l'aventure euh... et après en fait pour faire euh, New York Philadelphie eh ben, euh, j'ai pris euh, le Flixbus. Il, il doit y avoir 1h50 2h de route et j'ai payé 5 dollars l'aller quoi. C'est vraiment mais pas voyons. Wow, bref. <laughs> ouais, en fait je cherche vraiment tout ce qui est euh, économique. Après, c'est vrai que le plus cher, en fait, ça va rester tout ce qui est euh, les places, euh, la WrestleCon, euh, le WrestleMania Access. Donc, euh, vraiment, au niveau transport, je cherche le plus économique et après, sur place, euh, on se fait plaisir. Quoi. Bon. Et euh, Mais vraiment alors, je... les, les places comme telles, est-ce que tu es, es, es très haute ou si tu justement, vu que tu as payé moins cher les autres dépenses, tu te permets d'être plus près du ring, comment tu vois ça? Eh ben, j'essaye de me placer entre les deux. Euh, okay. Donc, euh, à chaque fois, j'essaye de prendre section 121. En fait, c'est juste euh, la section. Vous avez le ring. Il y a les derrière les ringsides. Et c'est juste un petit peu. En fait, c'est au milieu. Mais en fait, il faut faire à... souvent attention parce que quand c'est ciel ouvert, généralement, il couvre le ring. Et donc, du coup, si vous vous mettez sur les, sur les côtés, vous risquez d'avoir le... le poteau, en fait. La colonne. Et... Voilà. Mmh. Mais généralement, euh, pour les... enfin, là, pour le. Pour le combo, généralement, on a 1002 à peu près euh, pour le combo, ouais. Oh, quand même, hein, on sait quand, quand même. On se fait quand même un peu plaisir, hein, étant donné qu'on fait économiquement euh, sur le transport. Euh. Et, et, et donc, quand <laughs> tu arrives là-bas, euh, parce qu'on parlait sur le même épisode euh, dont tu es une invitée, j'ai Speedball Mike Bailey, qui est un lutteur de la TNA, euh, qui ouais. lui va lutter autour du week-end. Euh, euh, il n'est pas pour la WWE, effectivement, mais il va lutter, je pense, peut-être 7-8 fois. Il nous en parle dans, dans l'épisode. Parce qu'autour de, de Philadelphie, euh, les journées il y a avant, plusieurs fois, ouais. oui, est-ce que toi tu y vas ou si c'est focus WWE? Alors moi, je ne suis pas très euh, je regarde. Déjà, j'ai un peu de mal à, à suivre les résultats de WWE avec le boulot. Donc, euh, je ne suis pas très euh, <laughs> Okay. Je suis pas de très fédération indépendante, mais du coup je sais qu'il y a beaucoup de choses autour parce qu'on se, re se renseigne quand même un petit peu. Mais euh, non, je vais euh, là c'est euh, WrestleCon et WWE. Bon. Mais après je sais qu'il y a beaucoup de choses autour. Euh, apparemment ils ont prévu un concert de Jeff Hardy aussi. Pour l'instant okay. apparemment le lieu est inconnu, mais du coup il ouais, y a plein de trucs. Euh... C'est vraiment okay. sympa à faire quoi. Et j'imagine que justement, la communauté que tu rencontres, ben, tu entends parler de, il hey, y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, et tu te laisses la place pour des surprises. Euh, ouais. après, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Hein. C'est vraiment, des fois, on est surbooké. Euh, parce qu'il ouais, y a plein de choses. Mais des fois, par les rencontres, il y a des groupes sur Facebook aussi, spécialement pour euh, ça. Il y a un groupe qui s'appelle, euh, si je peux faire la promotion, qui s'appelle Mania Club. Okay. Bah, c'est un groupe spécialement pour ça. Et en fait, bah, du coup, les gens ils, ils postent constamment sur les trucs indie qu'il y a à faire pendant Mania, sur les, les conférences, sur les, les meet and greet. Enfin, euh, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on se... Enfin, on, on se donne tous des petites astuces. Donc, c'est sympa. Le, le départ ça fait quelle date de l'allié euh, Mardi prochain. Mardi okay. 2 avril. Et retour, euh, on fait du mardi au mardi généralement. OK, donc euh, mardi, euh, tu vas être sur place le mercredi euh, et le tout commence quoi autour du jeudi? Alors, euh, nous d'abord, on passe par New York, on fait deux jours à New York ah, et après on bien. va à Philadelphie euh, pour euh, commencer le, le week. Ouais. Bon, super. Tu euh, essaierais au moins de goûter au Philly Cheesecake, euh, Cheese Steak, le fameux sandwich? C'est hein? prévu, oui. <laughs> Bon. Écoute, Madison, ouais. c'est euh, un plaisir de te rencontrer, un plaisir d'avoir de, de, pu euh, partager avec euh, la communauté du Soyez-Y, mesdames, messieurs, cette expérience-là. Parce que pour nous, on en jase entre Québécois, c'est facile, mais d'imaginer de, de, ben oui. quelqu'un comme toi qui part euh, sac à dos à l'aventure. Bravo, bravo, c'est super. Et, Merci. Euh, on aura peut-être la chance à un moment donné de se reparler de, de, de catch, qui sait? Avec plaisir, hein? Alors, je te Avec souhaite plaisir. vraiment un très bon WrestleMania, le 40e de l'histoire. Amuse-toi et prends soin de toi. Eh bien, merci à toi aussi. Et puis à, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-Y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, mon favori, Pierre tu t'as eu en entrevue, Marc. Oui, Pierre, comme on le dit, comme on le dit tout le temps, écoute, euh, bonhomme très sympathique, posé, euh, toujours des, des, bonnes, euh, des bonnes discussions à avoir avec un gars comme Pierre Blais. Fait que si tu veux bien, on va écouter comment il va passer son Media Weekend 2024, mais non, bien sûr. Sure. Nous sommes avec Pierre Blais, euh, ce sympathique gaillard qui nous vient directement du village de Québec. Je ne suis pas un vraiment. gaillard. Je suis pas un gaillard, je suis un colosse, Marc. Tu devrais savoir ça maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Colosse. Et, que, oui, il y a colosse. <laughs> Là, je disais village, je faisais ma langue sale. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens au Québec qui sont prêts à tout pour avoir un médecin euh, euh, accessible. Toi, tu en as pris un. Dans ton affaire du euh, conflit de colosse, dans ton podcast, hey, sérieux, ben, là, c'est têteux, là. Encore mieux que ça, j'ai des problèmes de dents, puis c'est pas mon médecin, c'est mon dentiste avec qui j'anime le podcast. T'imagines, je te dis, on a plein de passe t'as des dents gratis, c'est malade. <laughs> hey, moi, on m'a déjà dit que j'arrêtais pas de faire ma, ma langue sage pour me faire péter les palettes. Tu vois, j'aurais eu une solution pour toi ce matin. C'est bon, c'est bon. Tu veux Mais... mon chandail? Vu qu qu'on a chacun un chandail. Eh hein, oui, incroyable, handsome GF. Tabarouette, incroyable. Bien plus incroyable, lui, que son fond d'écran quand il anime, par exemple. Parce que là, ben on oui? va régler le problème. Ansem, fait quelque chose. On manque la moitié de ta face tout le temps. Puis t'es tellement beau bonhomme qu'il faudrait qu'on te voie plus que ça. Ah, Moi, pas pas dirais... ça que tu pas que je disais. Non, dans ta phrase, il <laughs> y, y a deux erreurs beau bonhomme, puis qu'on voudrait plus voir ta face. Fait que je te dirais que. Euh, fait que moi, on change rien. Exactement, laisse ça le même. <laughs> Pierre, compte, oh, euh, euh, on niaise pas mal ce matin, là, mais. Euh, euh, Weekend WrestleMania. Comment ouais, ça fait. se passe euh, chez euh, Pierre Blais? Ben ça ne se passera pas chez moi cette année. Ça va se passer, ça va se passer chez Dr. Bugeot parce que les Colosses, on écoute, on écoute la lutte ensemble, puis toutes les occasions sont bonnes. Puis Mania, c'est parfait aussi. Lui, il est un peu, là, il écoute la lutte d'aujourd'hui, mais moi, tu le sais, je suis un grand nostalgique, j'écoute juste la vieille lutte. Moi, okay. euh, après, après 2002, je ne t'écouterai pas Mania. Là. Ben, on va avoir peut-être Mania sur une TV, mais il y a une autre TV où -ce il va jouer un vieux WrestleMania, genre le 5, le 6, quelque chose comme ça, Le Mega Powers Explode ou encore. c'est pour pas moi. Tu, tu vas écouter, tu vas mettre deux télés, une pour un ancien Mania, puis celui qui est. Ah, ouais, c'est spécial! Oui, oui. Tu disais que le monde de Québec, c'est... Boboy. Hey, arrête de faire du Benjamin Toll. C'est trop facile, ça. Là. <rire> <rire> hey, non, mais blague, à part, moi, c'est ce que, ce que j'aime. La lutte d'aujourd'hui, je l'écoute à peu près pas. Euh, mais je sais, tu sais, qu'il y a encore une demande spectaculaire sur deux soirs. C'est malade. Je sais que c'est gros, c'est haut, déploie, à grand déploiement. Mais, tu j'ai réécouté WrestleMania 5, justement, il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques jours à peine. T'sais, moi, c'est là-dedans que je me retrouve. C'est ça que je veux mm. voir. Je veux voir des matchs avec la Heart Foundation, avec ouais. Dino Bravo, avec Matt Man, avec Hogan ou comme mm -hmm. dirait David Juan, Hulk Hogan. Alors, <laughs> euh, moi, c'est ça. C'est ça qu'on qu veut voir. qu'il y aura un double choix. Mais est-ce que euh, toi et le dentiste, euh, en espérant qu'il n'y aura pas une dent contre moi, euh, <laughs> est-ce que ce dernier euh, sera présent les deux soirs? Allez-vous écouter les deux soirs? Euh, probablement pas. On va probablement faire juste le samedi. Ouais, ouais oui, c'est tough. Mais que c'est tough, c'est quoi C'est deux fois quatre heures. Je veux dire, à un moment donné, sans dire que c'est interminable, ça ressemble un peu à ça, là. Euh, ben Surtout vous, que je ne euh... suis pas le produit. Fait que non, ça va plus être une soirée. Puis, tu sais, moi, je commence à travailler euh, à 5 heures le matin. Mon émission ouais. commence à 5 heures le matin au, au FM 93. Fait que je me lève à 3 et demi. Le dimanche, ça se peut que je ne me rende pas jusqu'à 11 et demi minuit là, pour poursuivre tout ça. Mais c'est drôle parce que de mon côté, je préfère. Euh, couper un peu le samedi, qui, qui est souvent une soirée de couple aussi, il faut, faut le dire, même si ça ne oui, touche pa pas Kelly ni Laprade. Parce que nous, on a des vies, mais eux autres n'en ont pas, c'est ça? Hein? Exactement, exactement. <laughs> Et euh, euh, je vais l'expliquer à la fin du podcast quest ce que moi j'ai choisi. Là. Mais pour moi, c'est l'important, c'est le deuxième soir, non? Pas pour oui, toi. Mais, toi, c'est vraiment mais... la, à cause du fait que tu te lèves de bonheur. Je me lève tôt, puis comme je te dis, je ne suis pas le produit, mais c'est sûr que je vais ouais. m'intéresser. Tu sais, si Kevin Owens est le deuxième soir, ben, tu auras compris que je vais m'arranger pour au moins voir le petit bout de, de Kevin Owens. Ça mise même chose. Mais moi, si tu me parles de Drew McIntyre, quand je ne sais pas trop quel autre gars de... de ça ne touche pas plus qu'il faut. Je, Seth je pense, Rollins pour t'aider. Mais il est bon, Seth Rollins, par exemple. Je l'aime. Mais tu sais, c'est ça, ça. l'affaire. Moi, j'ai re recommencé dans les années 2010 un peu. Fait que j'ai quand même quelques ancrages, mais il y en a plusieurs qui sont partis, qui sont rendus à EW, Impact. Puis, tu sais, j'aime tant qu'à qu écouter la lutte d'aujourd'hui. Ben, moi, c'est PCO que je suis. Tu sais, ça, j'en ouais. manque pas un, par exemple. C'est ouais. ça, ça. Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais, moi, à un moment donné, c'est euh, que tu puisses choisir. Tu sais, comme euh, je disais, c'est pas tous les combats que j'ai le goût de voir, moi, à euh, Ménia, que tu peux choisir ouais. puis faire un, un, tu sais, un 45 minutes, puis voici ce que je veux voir, puis je paye ouais. pour ça. Tu sais, mais euh, peut-être que ça va arriver <laughs> un jour, peut-être que ça va arriver un jour. Mais là, euh, je sais que toi, tu es très près de cette, euh, ce, ce ignoble personnage euh, qui s'appelle Matt Falco. Euh, ouais. euh, grand, euh, pas très beau. Euh, Membre de l'Union. Euh, oui, exactement. Mais également un brasseur de bière. Le brasseur de Saint-Casimir. Exactement. Et d'ailleurs, ma bonne amie, Lise Bayarjon, est mairesse de Saint-Casimir. Ah oui, ok. Et euh, j'ai dit, euh, j'ai parlé avec lui. je devrais avoir un meeting avec elle pour trouver une façon de mettre des bâtons <laughs> dans les roues de Falco et de sa brasserie. Moi, j'aime ça me mettre de la marde. Ben, tu sais, des bâtons dans les roues à Falco, mais n'oublie pas que Claude Melon est toujours bien proche de même avec Matt Falco. C'est son gérant. Lui, il faut que tu fasses attention. Lui, c'est un vrai de vrai ratoureux. Ouais, surtout lui qui m'a appelé, euh, je ne sais pas quelle heure, qui était 6 heures du matin euh, euh, lorsque j'étais euh, du côté de Victoria, en Colombie-Britannique, pour oh. me dire, « Hey, Marc, Simenia s'en vient en ici, c'est quoi ça? » En tout cas, pas grave, on s'est parlé tout est correct. Mais bon. euh, je, tout ça, pour arriver, est-ce que vous allez avoir des breuvages? Est-ce que le côté là. festif aura lieu? Hey, Dis-moi pas que tu bois de la bière à cette heure-là. Nous, on a des classiques dans le conflit de colosse et c'est la petite canette bleue. Nous, on n'est ah. pas très alcool, mais on est plus Red Bull, comme on dit, puis chacun sa saveur. Docteur, c'est plus euh, bleuet et euh, mur aussi, mais lui, il est sans sucre. Je ne sais pas comment il fait. Moi, c'est l'original. Le bleu ouais. foncé, celui ben, qui défait les dents et qui défait la santé. Le dentiste et moi, on est pareil. Moi aussi, quand j'en prends un, c'est sans sucre. Et c'est bon. pour ça que j'ai cette taille-là. Bon, tu prends-tu une poutine avec des frites euh, de non. patates douces aussi, là? Ça me m'a donné? Euh... Non, je déteste les patates douces. Et ah ça, bon, la, enfin? La, la première fois que j'ai euh, goûté à ça, c'était Sylvain Grenier, celui qui disait que tous les gros ont des gros mollets. Euh, qui, euh, il prenait ça, puis je sais quoi, cette affaire-là. J'y ai goûté, j'ai je n'ai jamais goûté. J'aime pas ça. Mais, ah, vrai? on parle de bouffe. allez vous faire un. Allez-vous faire quelque chose de spécial ou si vous êtes vraiment plate? Non, on va sûrement faire quelque chose. Mais j'avoue qu'un menu, on n'y a pas pensé encore pour le menu. Un menu à deux, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est une bonne question. Ouais, ouais, on va se trouver quelque chose de. Tu sais, souvent les ailes reviennent là, dans ces affaires-là. C'est comme un classique un peu facile à aller chercher. Mais là, en étant deux, on peut peut-être se payer quelque chose comme des sushis de grande qualité ou quelque chose comme ça. On n'aille pas les sushis des deux. Ça pourrait être ça. Oui, il y a également ce qui est quand tu es deux, tu peux euh, commander. Du chinois, t'sais, un dîner pour un, euh, et vous allez oui. voir pour trois, quatre jours. Là, oui, oui, on a la noble maison, là, que ça s'appelle pas très loin d'ici. Eux autres, ils ont six plats seulement, mais, mais, mais ils en livrent, puis c'est des, euh, des grosses portions. C'est ça, c'est ça. <laughs> fait qu'écoute, y a tu Il ben, y a sûrement. Ton intérêt va être plus sur le, le WrestleMania. Vintage que vous allez choisir. Parce que tu ouais. peux pas me dire que tu un combat. as -tu hâte de voir le rock? Je sais même pas c'est quoi le combat pour mes nièces d'année, Marc. En toute franchise, je ne les connais pas. Je vais aller savoir. Mais, mais je vais oublie les... le combat! Est-ce que oui, le oui. rock, alors, ce qui est rendu et de la façon qui pousse tout à l'extrême et avec même des mots qui seraient défendus aux autres, est-ce que ça, ça, ça t'incite à hâte de voir ça ou. Oui, 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 absolument. Parce que tu sais, The Rock, qui fait partie des années du podcast. Ça, je fais bien des blagues, mais on, on arrête vers 2002. Mais tu sais, on est pas mal dans les années de The Rock là-dedans. Puis oui, c'est sûr, c'est un, une pointure. Moi, je pense que ce gars-là va devenir président des États-Unis un jour. Fait tu sais, je trouve que le, le parcours est, est un peu sinueux, mais très intéressant. C'est sûr que c'est sûr que oui. Mais je vais davantage prendre connaissance de la carte le, le jour même. Puis tu sais, on risque d'enregistrer des épisodes aussi à peu près toute la journée. Fait que il, il y a un peu de tout ça. On a plein de projets. C'est Disons que le mania de cette année va devenir un prétexte pour se faire une grosse journée de lutte. Disons ça comme ah, ça. C'est le Fab, c'est drôle que tu dis The Rock, euh, président un jour, euh, les gens de la CAQ m'ont approché pour que je remplace le go. Fain ah oui, ta réponse? Euh, non. Je, je, moi, c'est le, le Sim Sim Mania, je ne vis que pour ça. Puis, euh, ils m'ont dit que je devrais diminuer ça. Puis... Euh, le non, service allez, public. Allez, allez, allez vive à Québec. Là. Allez vive à Québec. Quand oh, même. Tu sais, Arrête le village. <laughs> Pierre, un gros merci. On a toujours beaucoup de plaisir. C'est toujours ouais. euh, bien, bien plaisant de, de se croiser. J'espère que euh, le, le, le docteur passera également un bon euh, WrestleMania. Euh, et vous enregistrez quoi là, aujourd'hui? Euh, on va enregistrer un de nos épisodes réguliers. Là. Je pense que c'est le un numéro 82 quand même. Ça avance. Wow. Ça avance. Oui, ouais, ouais, ça va wow. bien. Ça va bien. Oui. On tu, risque. C'est-tu le titre ou vous avez décidé oh. tout à l'heure? <laughs> ben, no, notre, notre pay-per-view de cette semaine, on enregistre pour notre semaine de WrestleMania, puis ça va être WrestleMania 5. Fait que okay. c'est un peu orienté. Effectivement, on a orienté notre podcast aussi en fonction de. La ah oui. semaine de, de Mania. Ouais. Ah oui, il faut faire ça. Ben, un gros Pis, merci. Écoute, oui, vas-y. Mais j'allais dire, j'ai hâte d'aller voir l'exposition de lutte à Montréal, à votre musée de. Comment ça s'appelle? Ah non, c'est vrai, c'est à Québec, l'exposition. Il a fallu que tu oui. viennes à Québec voir l'exposition. C'était pas pire, par exemple. Hein? Oui, j'ai bien Dans aimé. Dans notre village. Oui, j'ai bien aimé, honnêtement, j'aurais aimé ça. Euh... Euh, J'aurais bien ça, prendre deux jours avec mon épouse pour être là, mais finalement, je suis allé seul, un aller-retour. Mais, euh, mais c'était fantastique euh, pour vrai. Je fais des jokes, mais j'adore euh, oui. la ville de Québec et, et tout ça. Et je suis content que tu viennes animer avec nous, euh, que tu aies pris congé pour venir animer à Saint-Siméon avec l'équipe de M. Fun bientôt. Dans Charlevoix, j'ai vu l'annonce passer. ben oui, si tu connais quelqu'un dans ce coin-là, là, il manque un staff. <laughs> C'est <laughs> <Et> bon, parfait. <laughs> OK, ben bon main on se reparle bientôt. Salut Marc, à bientôt. Bye bye. Nous sommes de retour sur le SIM. We are La back. Des... Quoi? We are back. Nous sommes Le L'épisode numéro, je m'en souviens plus, 159, je crois. <laughs> C'est incroyable. Ben, je te lance la balle, mais tu n'es pas là pour m'aider. Tu ne me supportes pas. Mettons, je t'en fauteuil roulant. Tu pousserais? Je te pousserais en bas des escaliers <laughs> sûrement. Puis je filmerais. On est rendu euh, notre quatrième invité cette semaine, Speedball Mike Bailey, euh, ouais. qui, lui, euh, toujours comme on en a parlé des week-ends euh, de mania de fou. Et euh, parenthèse, et... Mike Bailey à Rebellion, T.N. Rebellion, qu'on va aller commenté aux abords du ring le 20 avril prochain aura la chance au titre par équipe TNA avec Trend Seven qui s'appelle Speedball Mountain contre le système Eddie Edward avec Brian Myers avec ta préférée Alicia, Alicia. Edward. Alors fin de la parenthèse, je te laisse aller ouais. Marc. Alors on écoute tout de suite Speedball, Mike Bailey. Nous sommes très heureux de le retrouver sur le sim, le Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Nul autre que Speedball, Mike Bailey. Comment vas-tu, jeune homme? Marc, ça va super bien, toi. Euh, honnêtement, tu fais ton événement Simaniac, ça s'en vient bientôt. Oui. Euh, Jusqu'à maintenant que tu, tu l'expliques comme ça, Soyez-y, Mesdames, Messieurs, Sim, je ne savais pas ce que Sim voulait dire du tout. Pour le vrai? Ouais. c'est euh, il faut c'est important de le rappeler au monde parce que ça devient euh, ça devient automatique pour nous mais comme Simmania ça part de là aussi alors <laughs> c'est bon il y en a plusieurs qui vont dire ben, il est pas tout seul <laughs> oui euh, j'aurai à Simmania 4 euh, euh, Rhino qui sera là ça va être une autre visite à Montréal pour Rhino. Fait que, euh, ça va être le fun de le voir. Euh, Mike, le week-end de WrestleMania, on en a parlé euh, l'année dernière, toi et moi, sur euh, notre podcast. Euh, C'est un week-end fou. Euh, je t'ai écrit, je t'ai demandé, euh, euh, est-ce que tu penses avoir un week-end euh, assez occupé? Et ta réponse était assez euh, sans équivoque en disant ça va être plus fou que jamais. Quel genre de week-end Mike Bailey va avoir euh, lors de ce week-end euh, du début avril? Euh, mais ça a commencé pour moi les, 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 la fameuse WrestleMania weekend end pour les lutteurs indépendants américains. Ce que je suis plus ou moins, je suis signé avec euh, TNA, mais j'ai quand même la liberté. De prendre tous les bookings que je veux avec des promotions indépendantes. Euh, ça roule depuis plusieurs années. Mais la, la première que j'ai faite, j'ai commencé avec Impact en janvier 2020. Puis c'était en avril, ma première WrestleMania week-end où je n'avais aucune attente de combien de bookings j'allais avoir, de comment la fin de semaine allait se dérouler. Fait que j'ai juste commencé à dire oui aux offres que j'avais. Puis à un moment donné, je n'avais comme. Je pense 53 jours, puis j'étais comme ouf. C'est beaucoup, mais je peux le faire, tu sais, deux par jour. puis Après ça, on m'a faire quelque chose. Je pense que c'était Blood Sport ensuite. Puis j'étais comme Ah oui, OK, ça commence la fin de semaine. Puis c'est quelque chose de différent que, de ce que je vais faire. Tout le reste de la fin de semaine, fait que t'es en caillette. Puis après ça, après ça, un autre. Puis pendant la fin de semaine, il y en a un autre qui s'est rajouté. Puis finalement, il y en a un autre qui s'est rajouté comme dernier. Fait que j'ai... Fini par faire neuf combats. Je pense que c'était deux la première journée, quatre la, dernière, quatre la deuxième, trois la dernière. C'est fou. Euh, l'année, l'année ensuite, Los Angeles, qui était après la même chose. Dans une journée, j'ai fait des combats contre Kota Ibushi, Shigeru Irie, puis Hiroshi Tanahashi. Euh, back to back to back. Tout, tout ça dans euh, la même journée. Wow. Tout ça dans la même journée. C'est. Mon horaire est incroyable, mais ce qui est encore plus fou, c'est le, le monde qui vont voir toutes les shows que pendant cette fin de semaine-là, ils vont assister à des vingtaines de galas, incluant WrestleMania qui dure euh, combien de temps maintenant? 10 heures, 12 heures? Trop. Même... Trop. trop. C'est sûr que c'est trop. C'est sûr. Ouais. Ah, et, et là, à Philadelphie ou dans les, euh, les alentours de Philadelphie, les banlieues, t'as quoi de prévu cette année? OK, fait que j'ai pas tout est annoncé. Je n'ai juste quelques-uns d'annoncés. Euh, mais encore une fois, ça devient ma plus grande année parce que j'ai commencé à faire mes propres galas. Hein? Euh, c'est pas de la lutte. C'est pas de la lutte professionnelle, c'est du fightertainment. Explique-moi okay, ça. Explique passe... ça. C'est en direct sur ma chaîne Twitch. C'est... Euh, Connais-tu Tony Dappin de GCW? Non. Mais je connais JCW, mais. Mais Tony Dappen, qui est un lutteur excellent, américain, qui est ancien champion euh, United States de uh, Ring of Honor, TV champion de Ring of Honor, qui est euh, en partie propriétaire d'une brasserie à Pottsville en Pennsylvanie, qui est à peu près une heure et demie de Philadelphie. Donc, on a commencé à faire des, des galas diffusés live sur Twitch, juste sur des matelas, pas de ring, avec des, des stipulations de plus en plus absurdes. Euh, dans sa brasserie. Donc, en plus de faire une dizaine de shows indépendants, je fais mon propre show avec euh, Vader Scott et Tony Deppen ensemble qui va être diffusé en direct, qui s'appelle Tournament of Breath. Ça se passe la première journée, Fait que je lutte contre Paul London pour okay. Labor of Love à Philadelphie. Ensuite, je rentre en auto à Pottsville pour faire mon propre gala, qui s'appelle euh, Tournament of Breath. Que, ça va Tournament of Death qui est un tournoi de lutte extrême avec seulement des armes gonflables. Extrême, armes gonflables. Oui. OK. <laughs> si des fois tu fais des, euh, des mimiques spéciales quand tu entends mes jokes douteuses, là, oui. ben, je peux te dire que j'ai besoin d'explications. Je <laughs> ne <laughs> ben, peux, peux pas l'expliquer plus que ça, franchement. Euh... On a Jimmy Lloyd, Cole Radrick, Joy Janella et tant d'autres qui vont, qui vont participer. Mais Mais comme euh... c'est ton gars-là, euh, oui. donc j'imagine qu'il y a un public dans la, la brasserie. Oui. Et en plus, euh, tu peux avoir des revenus venant de Twitch. Oui. Et combien y a de personnes dans cette brasserie-là qui peuvent rentrer? Centaines? Je pense qu'une centaine, c'est le maximum. La dernière fois, on avait, je pense, entre 60 et 80. Ben, J'ai vu ça sur des, des images qui se faisaient à Montréal, dans des oui. bars, pas de chaises. Oui. Euh, le monde est autour, c'est comme sur la piste de danse. Puis c'est euh, spécial. <laughs> oui, mais ben, honnêtement, je trouve que c'est parfait. Je trouve que la vraie lutte, c'est l'interaction entre les lutteurs et le public. Ouais. Fait que plus tu peux réduire les barrières. Plus, ça devient intéressant pour le public qui assiste. Puis, il n'y a, a pas de ring, il n'y a li littéralement aucune distance entre les gens qui regardent le gala et les lutteurs qui performent. Il y a une connexion directe. Puis, en plus, étant donné que c'est sur Twitch, il euh, y a toujours Veda qui est à l'ordinateur comme je suis présentement en train de discuter avec l'auditoire le, sur Twitch en direct. Puis, wow. on, on a des lutteurs qui viennent jaser avec le, le chat aussi. Donc, euh, quand, quand j'ai commencé à faire des, des galas sur Twitch, c'était en fin de pandémie, avant qu'on ait le droit de faire des, des galas devant des publics en direct au Québec. Donc, on faisait des galas fermés, sans public, mais quand même avec un auditoire qui pouvait interagir avec les, la, les lutteurs puis les, les matchs qui se passaient, mais à travers Twitch. Donc, euh, Donc ça, c'est ton, ton deuxième? C'est mon deuxième. Bon. Et le premier, le, était du... satisfait? Oui. Euh, non, ça, c'est pas le deuxième. Ça, c'est le quatrième qu'on fait. On a wow. fait trois déjà. Oui. OK, wow. Et les cartes avaient lieu, bien sûr, à Pottsville, dans cette oui. brasserie-là. Mm -hmm. Et le reste du week-end, ça a l'air de quoi? Ou si tu veux nous donner des détails pour Pottsville, où les gens peuvent s'informer, ceux qui veulent acheter des billets ou ceux qui veulent acheter sur Twitch, est-ce qu'il y a une façon euh, euh, facile? Euh... Sur mon Twitter, j'ai mis le, le, le lien des graphiques avec le où acheter des billets assez, assez facilement. Sinon, Pilger Rue Brewing, P-I-L-G-E-R, R-U-H -E B-R-E-W-I-N-G, qui sont la brasserie on, donc, euh, sur leurs leur, leur, euh, médias sociaux. Ça devrait être assez facile d'acheter des billets. Tu sais ce qui est vraiment difficile, Marc? Euh, j'ai hâte que tu me le dises. Quand tu es habitué de déplier quelque chose en anglais, il faut ouais. que tu l'épelles en français. <laughs> j'ai dû donner mon numéro de téléphone. Je, depuis que j'avais des États-Unis, j'ai un numéro de téléphone américain. J'ai ouais. dû le donner en français. Puis ça m'a pris, je te disais, un bon 30 secondes à me rappeler, c'était quoi les, euh, les, les, les chiffres en français. Mais bon, euh, oui, ma fin de semaine continue. Attends, je sors mon téléphone là parce que j'en ai trop pour me rappeler. J'en ai beaucoup qui sont encore pas annoncés. Est-ce que, es, est que tu, tu te rends du compte de ce que tu viens de dire? J'en ai trop pour m'en rappeler. Oui. Es-tu malade? Oui. Euh, Vas-y. Je suis déjà annoncé pour Defy le jeudi matin à 11h. Euh, la réunion de Moonlight Express, moi et Mao, mon partenaire quand, de quand j'étais à DDT au Japon contre CCK pour Defy, Ensuite, c'est Bloodsport, le fameux Bloodsport. Connais-tu bien Bloodsport, euh, Marc? Non. Non. Connais-tu Josh Barnett? Oui, le nom me dit quoi? Josh Barnett, qui est un ancien champion poids lourd de la UFC, qui fait son propre gala, mais c'est plus euh, shoot style, comme on dit dans business. OK. C'est euh, ça, ça s'éloigne de la lutte professionnelle. C'est dans un. Présenté sur un ring, mais sans corde, aucune chute c'est des règles beaucoup plus semblables euh, aux arts martiaux mixtes qu'à l'autre professionnel. Puis okay. j'ai un match contre euh, Nick Nemeth, anciennement oh, connu sous oh, le nom de Dolph Ziggler, mm -hmm. euh, qui est un lutteur amateur euh, reconnu. Je pense qu'il y a, de... il a, il a le plus de victoires dans l'histoire de son université. Donc, euh, oh, ça wow. va être intéressant. Wow. Euh, ensuite, il y a le March Hitcock Memorial Super Show à la fameuse ECW Arena où je lutte contre Rob Van Dam. Wow! RVD. Ouf! Ensuite, il y a DDT qui présente un gala où je lutte contre leur, euh, leur champion universel, Yuki Ueno. Euh, ensuite, à minuit, je pense que j'ai un autre gala, mais je n'ai pas encore été annoncé. Finalement, vendredi, là, on a rien que parlé de jeudi, là. Oui. C'est fou. Vendredi, j'ai rien d'annoncé, mais j'ai quatre galottes prévues. C'est fou, fou, fou. Et là, il reste samedi puis dimanche? So, samedi puis dimanche, j'ai rien. Samedi puis dimanche, j'ai pas beaucoup de galas indépendants qui se passent. À cause de Mania. C'est WrestleMania. On assume que le monde <laughs> Comment on va y aller. C'est le temps de laisser la scène à aux grosses Donc, organisations. Et, et moi, la question qui est toujours en tête, c'est excessivement demandant sur le corps, euh, la récupération, puis tout ça. Euh, je, je relute un autre 4 euh, gala la fin de semaine d'après. Donc, ça te donnait 4-5 jours pour te Oui, 4-5 <laughs> jours. Mais placer. non, mais honnêtement... Euh, je me rappelle plus des statistiques, mais l'année dernière, j'ai fait quelque chose comme incluant ma fin de semaine de WrestleMania, 100, presque 200 combats euh, oui. dans l'année. Ce qui est beaucoup, mais c'est je pense que plus tu fais de combats, plus ça devient facile, plus tu t'habitues, plus tu comprends quelle, quelle chute, quel casque à te faire où tu te feras pas mal, puis tu seras capable de continuer la journée d'après. Yeah, je pense que, que c'est pas mal universellement vrai pour la lutte, que plus t'en fais, plus ça devient confortable. Mais il y a des choses que tu fais, j'ai une image en tête, le, le, le poteau de ring, tu es à deux pieds sur le poteau qui est déjà pas large, et tu fais un moonsault à, à l'extérieur du ring. Écoute, euh, il faudrait que tu te calmes ce, ce week-end-là, là, parce que on aime bien te voir à TNA aussi, hein? Mmh, non. Ben, ben, je te dis, me calmer, c'est relatif. Je ne vais certainement pas en faire moins. Euh, c est, c est ça, c'est quelque chose que, que je ne veux absolument pas qu'il arrive, mais je ne veux pas que parce que j'ai beaucoup de combats, la qualité mmh. de, de ces matchs diminue. C'est quelque chose qui arrivera absolument pas. Mais si je le fais dans un combat maintenant, c'est parce que je suis capable de le faire trois jours de suite. Puis si je suis capable ouais. de le faire trois jours de suite, je suis capable de le faire douze jours de, de suite aussi. Puis, euh, tu sais, je suis assez expérimenté. Je lutte depuis assez longtemps pour savoir ce qui me fait mal puis ce qui me fait pas mal. Puis, euh, est... mon but, c'est de trouver la, la zone chaude entre quelque chose qui a l'air complètement fou et dangereux, mais que je suis 100% en contrôle et en sécurité quand je le fais. Quelle sagesse de t'entendre parler. Ouf! <laughs> Écoute, Mike, ça va être un week-end. Euh... Vraiment, et j'imagine qu'à chaque année, tu hantes à ce, ce week-end où la lutte prend toute la place dans le monde. Euh, ça doit être rencontrer les fans. Euh, c'est complètement fou ce week-end là. Honnêtement, c'est ça me prend toujours quelques jours après la fin, la fin de semaine de la souvenir pour pouvoir y penser un peu puis me rappeler de ce qui s'est passé parce que ça, ça se déroule tellement vite. Puis j'arrête tellement pas que j'ai aucun temps pour vraiment apprécier le moment. C'est quelque chose qu'on qu me dit souvent de faire, de la lutte que j'essaie d'appliquer de mon mieux, mais de vraiment apprécier les bons moments. Mike Bailey, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce week-end Mingyah du début avril et au plaisir de te croiser à Las Vegas le 20 avril prochain pour Rebellion. Oui, j'ai déjà un combat d'annoncé. Championnat par équipe. Speedball Mountain contre The System. Oui. oui. Donc, déjà euh, hâte. Comment qu'il disait ça, le gars, là? Ah oui, soyez-y bérabécieux. Nous sommes de retour suite à cette entrevue avec Speedball Mike Bailey et ses places au FESAIA de Fate Science de la semaine. Ce segment du saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute y du Bacon 514-260 9415. Alors, toi, handsome, tu es ton saillant de la semaine? Faut que tu nous dises si tu as déjà mentionné que tu ne ferais pas les deux soirs, que tu ne regarderais pas les deux soirs, quel soir vas-tu choisir? Écoute, je suis vraiment déchiré parce que le premier soir, tu une incidence directe. Les deux finales sont extraordinaires. Tu Roman Reigns avec The Rock contre Cody Rhodes et Rollins, la finale du premier soir. Et le outcome, le dénouement de ce match-là, va donner une indication de la finale du lendemain parce que si Reigns et Rock gagnent le premier soir. Euh, le Bloodline est permis ringside pour la finale du lendemain. Le Bloodline Rules. Oui, exactement. Et si, le si c'est Seth Rollins et Cody Rose, le Bloodline est banni du ringside. Tu je veux voir les deux parce qu'il va y il va avoir des interventions de Jimmy Uso, le Solo Sikoa. Est-ce qu'on va sortir Rikishi, qui est le père des Uso? Peut-être qu'on va le garder pour le, le combat frère contre frère. Est-ce que euh, Dustin Rose, Gold Dust, va sortir, et être capable de sortir de, de son contrat, Lady Trusting, puis participer à cette histoire-là. Donc, je suis vraiment déchirant des deux soirs, mais c'est sûr que peu importe le soir que je décide, je vais m'arranger pour écouter les deux finales. Ça, c'est sûr. Toi, de ton côté, Marc, moi, j'ai trouvé la solution. Euh, je regardais pour le, le, le samedi euh, parce que euh, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée. Il y avait une possibilité, ben, je pense en avoir parlé, que j'anime euh, euh, WrestleMania au casino euh, Grand Royal de Wallinac. Tu n'en as pas parlé. Tu as euh, parlé que tu allais et... écouter ça dans un garage chez ton chum. Oui, c'est ça. J'avais euh, un doute qu'on était pas mal tôt à dernière minute pour que ça fonctionne au casino. Mais euh, le garage de mon chum, c'est pneu et Mag. Côte-Saint-Louis à Sainte-Thérèse. Ah oui. On le salue. <laughs> Stéphane Snenitsky. Et euh, là, ça va être... On a de, lui aussi, ça va pas être dit. On a essayé de voir les, toute la carte, mais on, on, c'est dur à trouver la carte du samedi. Sur, là, on est mardi il y a quelques jours. Là, mais maintenant, ouais. il y a une semaine, ce pas évident à trouver. Non, Et, mais en, euh, ce en ce moment où on enregistre, là, on sait les deux, les deux finales. Oui, ouais, ça c'est sûr. On, on sait on sait que le premier soir, c'est le combat par équipe en finale. Ouais. Le lendemain, c'est Reigns Road. On sait que Rollins, Drew McIntyre va être à la, la deuxième soirée pour le titre World Heavyweight Championship. Mais pour le reste, on ne le sait pas encore. C'est ça. ça penche, le, le, le combat de Kevin Owens, on ne sait pas quel soir il va être. Là. En tout cas, au moment où on enregistre. Fait que, euh, fait que nous, ce qu'on a décidé, parce qu'à un moment donné, euh, Stéphane aussi il est un peu amnésique. Euh, il a acheté... Euh, grande paire de billets pour aller voir Étienne Langevin, un humoriste qui est très bon. Je l'ai vu à deux reprises. Cool. Ah, là, je ne me souvenais plus, puis je disais Moi, le monde ne se souvient pas. Là, hey, amnésie moi, contagieuse. Le monde ne se souvient ouais. pas. Là, ouais, ouais. Je ne me souviens pas ce que je ferais. Mais euh, finalement, j'ai dit OK, Jazz, on s'en va voir Étienne Langevin. Ça te tente-tu un show d'humour. Samedi soir, ça, ça marche. Samedi soir. Okay. Après ça, euh, tu t'en viens avec nous euh, au garage, écouter la finale, euh, le combat par équipe. Attends, tu me débarqueras à la maison tu y es. Ben là. Oui. OK, parfait. C'est ton choix. Alors, ben tu oui. vois, j'ai réussi à faire une soirée de couple. On va bien rire, on va bien s'amuser. On va finir ça au garage pour voir le combat qu'on voulait voir le soir 1. Dimanche matin, je regarde les autres affaires que j'ai manquées samedi soir. Et à 4 heures, je m'en vais voir Claude Dubois avec Armand. Voyons, <laughs> oui, il y a ça aussi. J'ai acheté du billet, puis ça tombe le soir de WrestleMania, mais on a acheté ça bien longtemps. Alors, mais je oui. m'en vais de 4 heures à 6 heures, 6 heures et quart. Un show à 4 heures, c'est spécial. Oui, oui ben, je suis content, par exemple, oui. euh, avec. L du Dubois, à l'âge qui est rendu comme moi, jusqu'au de bonheur. Ben, c'est ça. Euh, Pierre Armand aussi, fait que c'est parfait. Et euh, vers 6h30, 7h, je, je m'en vais au euh, garage des euh, mac de saint louis On va être une dizaine de gars. Serge Coutu va être là. Euh, barbecue, filet mignon. Écoute, nous autres, oh. là, pas des ailes de poulet. Euh, mais... Euh, le chipette, tu sais. Non, 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 non. Ouais, le, gros kit, mignons, le gros kit. Le gros kit. Puis euh, on va passer une belle soirée. Comme on a eu wow. au Royal Rumble également. Fait que c'est ça qui est le fun. Wow! Quel week-end incroyable pour Mr. Fun International. Wow! Ouais, ouais, ouais. ouais. Fait que c'est euh, pas mal ça. Et je peux vous confirmer que la semaine prochaine, sûr qu'on va se faire un petit euh, wrap-up sur ben la oui. WrestleMania, là. Euh, et on nous aurons un épisode sur le scandale des stéroïdes et je vous le dis. Je tombe en euh, bas de ma chaise, Marc. Pourtant, tu as l'air encore assis. Oui. Mais euh, les, euh, les deux entrevues, entre autres, avec Speedball et avec euh, Frankie, the mobster, wow, ouais. c'est du bonbon. Ah, J'ai hâte d'entendre ça, ça va être ouais. vraiment, vraiment bon. Et hey, ouais. Marc, le temps file et je dois te poser la question que je te pose à chaque fin de podcast. De quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous dis d'abord bon week-end de WrestleMania, les amis, et soyez-y dans Messieurs.